Voilà, alors il y a ce putain de ventilateur qui s'est remis en marche, mais j'espère qu'on m'entend. Et donc je vais parler de ce que je fais. J'ai fait pas mal de vidéos expliquant un peu des choses polémiques ou enfin, du baratin, quoi. Mais maintenant je vais dire comment je vis au quotidien. Alors tout d'abord, je vais me présenter à nouveau. Enfin, peut-être que je me suis jamais présenté en fait. Bon, bah j'étais scientifique de merde, mais. Donc j'ai quitté la science, et j'ai quitté la sécurité de l'emploi, tout ça j'en ai parlé, j'étais dans la merde, etc. Et j'ai décidé de faire quelque chose, et de vivre, parce que ce que je me suis dit, bah voilà, c'est que je vais être dans la merde. Et ça me stressait beaucoup d'avoir un boulot précaire, parce que je disais, bon bah demain, qu'est-ce que je vais bouffer? Et je suis parti, j'ai une vieille baraque avec mon indivision, ici qui est un peu une ruine, mais quand on restaure, c'est difficile, faut pas se cacher, il fait froid l'hiver, très froid même, et c'est humide. Et il y a plein de problèmes, je vais raconter un peu. Mais voilà, j'ai décidé de vivre quasiment en autarcie ici, et d'essayer d'être le plus, ce qu'on appelle en anglais self-sufficient, ou self-sufficient en suédois, en français, je ne sais pas, en autarcie. Et donc voilà. Alors, bon, j'ai pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien, je ne vais pas dire que c'est facile, c'est fatigant. Ça prend beaucoup sur le corps, parce que l'hiver, il fait froid. Donc on n'est pas très actif, on a beaucoup de projets, puis on dit bon l'hiver on aura le temps, et en fait l'hiver il fait tellement froid que ben, on n'en fait pas beaucoup, c'est difficile. Et l'été il y a plein de problèmes, il y en a pas peu de temps, il y a beaucoup de choses à faire, et il y a des problèmes de, ici on a eu pas mal de parasites, d'animaux qui nous ont embêtés. La première année donc il a fait très chaud, on a eu des moustiques. Ça a été une invasion, on n'a pas compris d'où ça venait. Moi, je n'en avais jamais vu ici. Ça doit être le climat. Il a fait très chaud l'année dernière. Ça a été assez spécial, avec une sécheresse assez prolongée. Mais il y avait eu des pluies avant. Et on a été vraiment envahi comme quand j'ai connu en Arctique. C'est insupportable. En Arctique, je supporte parce que j'ai plein de ruses. On est sous la tente, on fait du feu, etc. Non, ici, faire du feu quand il fait 40 degrés, c'est un peu dur. Donc, c'était dur. Donc, on a acheté des moustiquaires, etc., comme en Afrique. Et cette année, il n'y en a pas de moustiques. Alors, je ne sais pas, ça doit être quand même le climat qui nous a joué un tour l'année dernière. Cette année, il fait un peu plus froid, même s'il fait chaud quand même. Mais il ne fait pas 40 tout le temps, pas au-dessus de 35. Mais cette année, on a eu d'autres problèmes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé. En fait, mon idée, c'était on ne peut pas tout faire quand on arrive, il faut faire des choix. Donc, moi, je n'ai pas de revenus, comme j'ai dit. Je possède avec mon frère. Un appartement, mais là on est en déficit parce qu'on n'a pas loué l'appartement à Toulouse, donc ça j'ai pas de revenu là-dessus. J'ai du négatif, j'ai dû payer la CSG, donc j'ai aucun revenu là-dessus. J'ai pas le RSA. Moi je voulais avoir le RSA parce que j'ai pas le droit à l'aide d'installation agricole. Mon projet c'était de m'installer comme agriculteur, mais c'est un long procédé et j'ai pas de terre vraiment. J'ai 4 hectares de bois, mais je pourrais vendre à la limite l'appartement à Toulouse et m'acheter des terres, mais j'ai plus de 40 ans. Donc la formation ne donne pas accès à des prêts pour les terres. Et moi, j'ai pas le temps de me former, c'est trop. Puis ça, moi, je ne vois pas l'intérêt. Donc moi, mon projet, c'est de m'installer petit à petit, de façon très true, et ne pas utiliser de machine. Donc vraiment à être... apprendre vraiment à être autonome par rapport à cette société du pétrole. Donc ça, c'est mon projet. Et pour l'instant, je m'y tiens. Alors je vais expliquer un peu ce que j'ai fait, je vais montrer peut-être des images, j'ai fait des photos, là récemment j'en ai pas fait parce que j'ai pas d'appareil photo, c'est ma copine qui en a pris, elle a un bon appareil, moi j'en ai pas, j'en ai plus, et là j'en ai elle en a pas fait récemment, la seule qui fait avec la petite, mais j'en ai posté sur un site suédois, alternative.nu, www.alternative.nu, et sous vous tapez Kjærvenik, enfin il y a pas mal de photos de ce que je fais parce que j'essaie d'attirer des Suédois. C'est pour garder des contacts avec ma compagne à besoin. Donc voilà. Donc voilà mon projet, c'était de m'installer. Et donc, mais je voulais avoir le RSA pour avoir des finances parce qu'on ne commence pas, on ne quitte pas un monde industriel qui a tout accaparé, qui a fait disparaître plein de productions. On ne passe pas comme ça directement, on ne revient pas au cheval. On a besoin de c'est quelque chose qui demanderait du capital. Mais je n'ai pas le RSA, je n'ai pas le droit pour diverses raisons. Parce que ma compagne est étrangère, on ne peut pas calculer son revenu. Parce que j'ai un appartement à Toulouse et c'est compliqué, etc. Parce que j'ai un enfant avec elle et l'enfant ne l'a pas déclaré ici pour pouvoir continuer à avoir les allocations familiales parce que sinon on n'avait rien.
etc., etc. Ce qui fait que j'ai pas le droit au RSA, j'ai le droit à aucun argent, donc je vis et je commence ma ferme avec quasiment aucun capital. Donc je bricole et j'expliquerai ce que je fais. Ma compagne a un revenu qui est faible parce qu'elle travaille comme traductrice, elle travaille à son compte, mais bon, ça suffit pour nous deux et pour entretenir la petite et pour acheter le minimum de choses parce qu'évidemment, on peut quand même pas faire. Donc, ce que je vais dire par là, c'est que si vous avez un RSA, c'est énorme. Si vous vivez à la campagne, si vous avez la chance d'avoir une vieille baraque, alors moi, je pars pas de rien, je montrerai ma baraque, c'est quand même beaucoup de choses qui sont faites, le toit est fait, les planchers sont pourris, mais ils tiennent encore. Il faudra les refaire parce que c'est une catastrophe, mais les poutres sont un peu branlantes, mais bon, ça tient. Il y a une salle qui est bien, c'est une grande chambre qui est neuve, mais il n'y a pas de chauffage dedans, donc on ne peut pas y rester l'hiver. Voilà, il y a une petite chambre, et en fait, on a refait une petite chambre neuve, qui est où le plancher avait déjà été refait. J'avais payé quand j'étais début de ma, quand j'étais ingénieur, j'avais un peu d'argent, enfin, quand j'étais chercheur ingénieur. Et donc, j'étais à la fac, j'avais récolté un peu de pognon, j'avais refait le plancher et j'ai mis une toute petite. Je sais pas comment ça fait, hein. C'est une toute petite chambre et avec un poêle. Ça, c'est le poêle que j'ai acheté, fait installer le moins cher possible. Un truc allemand tout petit, mais qui booste bien. Et avec un tube, enfin, qui coûte rien, un truc qu'on a installé. Enfin, l'avantage, c'est quand on a un look de pauvre, les artisans vous aident plutôt qu'autre chose. Parce qu'ils voient bien que vous êtes dans la merde. Donc, faut montrer qu'on est pauvre. Ça, on paye le prix de preuve, quoi. Donc moi, je me suis fait un peu aider, etc. Donc on a un poêle qui fonctionne, c'est tout ce qu'on a. Et on a une cheminée vraiment ancienne. Donc voilà où j'habite, voilà qui je suis, voilà où tous sont mes revenus. Donc des revenus très faibles. Mais moi, j'ai pas besoin, avec 300 euros, je m'en sors largement même pour payer les taxes et tout ça, et pour bouffer, quoi. Parce que j'achète très peu de choses. Donc je vais expliquer. Donc ça fait un an que je suis arrivé. Mon projet, c'était de commencer par avoir des animaux. Comme j'en avais déjà eu autrefois, j'étais venu des périodes courtes, j'avais eu des poules, etc. Donc j'ai eu des poules, je cultive évidemment pas mon blé, j'en suis pas là, ça c'est un truc. Donc j'achète du blé bio en vrac, ça coûte à peu près 200 euros pour l'année pour élever plein de poulets, de poules, etc., des lapins. C'est pas très cher, je le fais venir en vrac, donc j'ai une livraison, le mec arrive, boum. Et tout le reste, tout ce que je donne aux poulets, la verdure, je donne énormément de choses, toutes les ordures, etc. Donc ça fait qu'en fait on a besoin de peu de céréales, il faut en donner le moins possible. L'eau, etc. Donc voilà, j'avais ça. Le problème, c'est que j'ai eu un problème. C'est que je vis dans un endroit, dans le Massif central, où c'est un peu dense quand même. Donc, le village, il y a beaucoup de bois autour. Le village est assez concentré. Il y a quelques retraités, etc. Et donc, on a eu tout de suite des emmerdes avec les voisins. Et ils veulent pas de poules. Donc, dès qu'il y a beaucoup plus, on a des problèmes de famille parce que enfin, je vous raconte pas l'histoire. Ici, donc j'étais obligé, ils m'ont dit, bon bah les poules c'est fini, si on appelle les flics. Donc je suis obligé de construire une énorme, parce que j'ai quand même un grand terrain, un grand jardin fruitier, et qui fait à peu près 500 mètres carrés. Enfin, c'est pas énorme, hein, mais moi pour du fruit ça suffit. Et on avait mis les poules dedans, et donc il va falloir tout clôturer. Et moi je n'ai pas de machine, rien, je fais tout à la main, donc ça met du temps. Et donc là j'attends une livraison et je vais finir la clôture. J'ai peut-être des photos de ce que je suis en train de faire. J'ai refait les murs à l'ancienne, murs en pierre. J'avais un pierrier, je crois que ça s'appelle. Ils avaient laissé des pierres dans ce jardin fruitier. Et il y avait des vieux murs effondrés. Je suis en train de tout refaire, donc j'en ai refait une bonne partie. Là, il y a juste un tout petit bout qui reste chez le voisin qui fait chier. Donc, je ne suis pas trop pressé de me friter avec lui. C'est un peu. Je me surveille. Mais j'ai fait. Bon, voilà, donc je vais mettre un grillage, des portes, etc. Et après, j'aurai des poules à nouveau. J'ai eu des poules l'année dernière. J'ai une production d'œufs, etc. Enfin, c'est pas trop compliqué. Donc, pour 200 euros, on bouffe de la viande, des œufs. En gros, à part de temps en temps, parce qu'on ne peut pas faire de cochon dès le début, etc. Voilà. Ça, c'est pour plus tard. Donc, on économise énormément de choses, mais très peu de choses, très peu d'argent. Voilà. 200 euros par an, on a tous ces œufs, tout ça. Il faut calculer combien d'œufs vous bouffez pour une famille. C'est vrai que c'est quand même assez rentable, et de la viande en plus. Et les lapins aussi. Alors, le lapin, l'avantage du lapin, c'est que moi j'ai eu des lapins, donc les lapins c'est que ça bouffe peu de grains, on peut les nourrir avec des châtaignes l'hiver, moi je leur donnais des châtaignes, même si c'était un peu pourri, il y a beaucoup de châtaignes ici, hein. C'est en accès libre quasiment, et on peut leur donner énormément de choses qui traînent, donc quand on a un grand jardin et qu'on fait ses légumes, tout y passe, et donc le lapin c'est quelque chose, c'est génial, ça fait partie de l'écosystème de l'autosuffisance, il faut vraiment avoir des lapins, donc voilà,
Donc ça permet de produire une bonne partie de sa viande avec quasiment aucun argent. Donc, voilà. Alors ensuite, j'ai le jardin. Alors le jardin, je l'ai commencé. Moi, j'ai une bonne terre comparée à la Suède. Ici, enfin, ça, elle retient pas bien l'eau, mais. Et je n'ai pas de motoculteur, je n'en veux pas. Je travaille avec des idées un peu de la permaculture, mais à ma façon. Chacun, il faut adapter à son terrain, etc. Puis c'est pas vraiment. Moi, je fais un peu entre ce qu'on pourrait appeler une permaculture et du bio-intensif, c'est-à-dire que je rajoute beaucoup d'éléments au même endroit pour que ça pousse vite, parce que j'ai pas beaucoup de terrain, j'ai pas beaucoup de surface. J'ai peut-être 400 mètres carrés, moins de 400 mètres carrés. Pour nourrir une famille, on dit qu'en gros, il faut 400 mètres carrés. J'ai un peu moins, donc il faut que ça pousse, quoi. Donc c'est des rotations sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ça fait un an que ça tient. Et j'ai plutôt. Donc on dit la première année, c'est quand on retourne un champ, ça pousse bien. Alors c'est pas tout à fait vrai. Et puis bon là, ça, la terre tient. J'ai retourné une partie la première année, là j'ai retourné une deuxième partie. Donc là j'ai à peu près 300, 400, 300. Et ça tient bien. Donc je fais. La méthode que j'ai fait, c'est que je retourne tout à la main avec une bêche. Une bêche, enfin, comment on appelle ça? Ouais, c'est la houe, quoi. La houe, une houe, c'est pas cher. Alors, moi, j'achète des instruments pas chers. J'avais des instruments ici, je refais les manches avec du frêne. J'ai des frênes qui traînent, je les coupe, je refais les manches. Donc, je fais tout moi-même. Le maximum, il faut ne pas dépenser d'argent, apprendre à tout faire soi-même. Ça prend du temps au début, mais après, ça va peut-être aussi vite que d'aller acheter un manche qui casse tout de suite. De toute façon, les manches, c'est de la merde ce qu'ils vendent. Donc, et puis comme ça, quand on a quelque chose, on a tout sur place. Donc, je montrerai un peu les photos. Je ne sais pas s'il y a des photos qui sont assez précises pour pouvoir voir exactement comment ça se passe. Ce que je fais, c'est que donc je fais des bandes d'à peu près 1,20 m, comme c'est le truc en permaculture, avec un chemin qui fait à peu près deux largeurs de pied. Je ne sais pas comment ça peut faire, deux largeurs de pied ou trois, entre deux et trois. Pas la longueur, mais la largeur du pied, pour pouvoir passer, avoir un peu d'espace, mais avoir le pour que les chemins prennent le moins de place possible aussi, parce qu'il faut cultiver un maximum. Et je marque bien les allées par des morceaux de bois que je plante, des morceaux de bois à peu près de l'épaisseur du poing. Donc que je fais dans du chêne, j'ai des noisetiers que je coupe et d'autres arbres qui traînent, du sureau, etc. Et je mets des poteaux comme ça tout le long, et je mets un tronc fin qui est tenu par ces poteaux sur le côté, pas partout parce qu'au début j'ai pas assez de bois. Donc je fais. Mais l'important, c'est de bien marquer le terrain au départ, là où on a retourné. Bon, je retourne tout d'abord, je retourne tout, j'ai tout retourné, mais ensuite je marque sur cette terre retournée. Donc j'enlève l'herbe quand même, c'est-à-dire que je bêche, j'enlève l'herbe, forme une croûte en surface ici. C'est pas comme en Suède, hein. En Suède c'est plus difficile, mais ici c'est plus facile. Donc l'herbe forme une croûte qu'on enlève. Je fais un tas de l'herbe que j'enlève, que je laisse sécher. Avec la bêche fourche, j'ameublis un peu. C'est pas tout souvent, c'est pas la peine, parce qu'en été, si on fait en été, le sol est déjà vraiment poudreux. Et ici, enfin, selon la terre, ça fait pas de mal de passer un petit coup. Et ensuite, je fais des tranchées, donc avec des bandes de 1,20 m, et entre les bandes, je fais des tranchées qui correspondent à peu près à la largeur de 2 pieds, 2-3 pieds, comme j'ai dit. Je ne sais pas combien ça peut faire en centimètres, mais disons 40. 40. Dans ces tranchées, je mets l'herbe que j'ai coupée, que j'ai la croûte, l'herbe, toutes les mottes d'herbe que j'ai retirées. Je comble. Alors, il en reste toujours un peu, et le reste, je le mets dans ce qu'on appelle le couder, c'est-à-dire mon jardin. J'ai dit que j'avais un jardin pour les arbres, fruitiers, et un jardin pour le potager, dans lequel il y a quelques arbres quand même que je n'ai pas coupés. Donc je peux garder ces arbres avec ma méthode, je bêche juste autour. J'ai deux pruniers dans le jardin potager. Donc des fois il y a des racines, il faut les couper, enfin c'est pas très grave. Donc je retourne, je fais des tranchées entre les bandes de 1,20 m, je mets l'herbe coupée. L'avantage de retourner quand même par rapport à l'histoire de permaculture, qu'on met du plastique pour faire crever l'herbe ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a plein de parasites dans ces trucs-là. Parce que c'est la prairie, c'est un écosystème, et dedans il y a des parasites, ce sont les fils de fer, là, les vers, je ne sais plus comment on appelle ça, les vers taupins. Bon, si vous regardez à quoi ça ressemble, ce sont des vers un peu jaunes, non, là, avec des anneaux. Et il faut les écraser, c'est au maximum.
C'est-à-dire, vous en, dès que vous envoyez, les chercher, vous les écrasez, parce que ça va vous faire chier, ça va vous bouffer toutes les salades. Donc, quand on retourne une prairie, il y a toujours ce topin qui apparaît la première, la deuxième année, surtout la première, et qui va vous flamber la moitié des salades. Donc, déjà, vous en profitez pour en tuer un maximum. Voilà. Donc, vous faites les bandes. Moi, je mets donc je comble les fossés avec ces mottes de terre, ce qui permet d'ameublir et d'avoir des chemins un peu meubles entre les deux. Ben, alors, ça, je sais, moi, c'est juste parce qu'il faut que je me débarrasse de ces mottes et je sais pas trop où les mettre. Mais je pense que c'est bien parce que ça fait éponge, ça fait en même temps ça tasse pas trop le sol, etc. Et puis ça fait du carbone qui va être bouffé au fur et à mesure. Donc voilà ma méthode. Et puis je pense que ça évite un peu que les bandes s'affaissent, etc. Ça les maintient un peu. Donc ensuite, une fois que les bandes sont délimitées par ces chemins, je les délimite encore plus par ces poteaux que j'enfonce tout le long de la bande, que je scie à peu près assez à ras de terre, et je place si j'ai du bois, de longs troncs, par exemple de noisetiers assez fins, bah je les cale contre ces poteaux, et j'essaie même de les caler avec un autre petit poteau de l'autre côté, donc ça les tient comme ça, toc toc toc, et puis le poteau au milieu. Et donc comme ça, je délimite les bandes. L'avantage aussi d'avoir un tronc qui délimite cette bande, c'est que donc les poteaux, ils vont surtout servir à vous taper le pied dessus quand vous allez marcher, pour que vraiment rappeler que là, il faut pas marcher sur la bande. L'important, c'est surtout de ne jamais marcher sur les bandes, parce que vous tassez la terre, c'est catastrophique. Et comme vous allez arroser, etc., passer de très nombreuses fois, il faut à tout prix maintenir la terre en état impeccable, donc ne jamais passer sur les bandes. Donc c'est pour ça que, principalement, que je mets des poteaux, c'est pour qu'on se fasse mal au pied à chaque fois qu'on oublie, quoi. Paf, on tape dedans. Voilà, donc, donc des petits poteaux et des troncs longs qui sont posés parallèles au sol, ça permet, ces troncs-là, de piéger les limaces, entre autres. Ça permet de délimiter, ça évite que, quand on bêche, la terre donc, est retenue aussi par ces trucs, donc elle ne va pas se répandre sur les chemins. Donc ça fait un peu comme les beds, mais c'est pas cher, là, au lieu d'avoir des planches, on a juste un petit truc. Donc vous allez voir votre terre qui, normalement, elle doit augmenter en volume quand vous mettez du carbone, quand vous mettez du compost, etc. Donc vous pouvez vérifier ça. Et aussi, ça permet aux mauvaises herbes de ne pas pousser sur le truc. Donc elles vont pousser à l'extérieur, mais elles pousseront sur le tronc, il n'y a pas de lumière, donc ça délimite mieux. Ça évite que les herbes commencent à pousser sur les côtés. Il y aura des herbes tout le temps. Mais le principal avantage d'avoir ces espèces de longs troncs qui délimite les plates-bandes, c'est que ça fait comme des planches, c'est-à-dire que si vous les soulevez quand c'est humide, vous allez piéger les limaces, vous les tuez. C'est le piège parfait à limaces qui vont vous bouffer tous les semis, les salades, etc. Ça, c'est une méthode que j'ai vue faire par des Croates qui cultivaient en Suède, là, dans un truc où il y a plein de limaces, et ça, c'est radical. Il faut des pièges à limaces, et donc de longues planches, dès que vous avez du bois qui traîne, etc., sur le côté, ça permet de les piéger et donc d'éliminer ce qui est quand même la facteur limitant pour la pousse. Voilà, donc vous avez ces bandes. Alors la première année, normalement, il ne devrait pas y avoir besoin de mettre du fumier. Moi, je pense que moi, je suis en bio-intensif, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre énormément d'azote, mais je vais en mettre le maximum possible quand même pour que ça pousse à mort. Donc j'ai mis du fumier dès que j'en avais. La première année, j'en avais pas assez, donc j'ai mis juste à quelques endroits pour les courgettes, etc. Et ça a poussé très bien. Voilà. Donc vous faites cela. Ensuite, la deuxième truc à faire, c'est que le deuxième principe, c'est de pailler. Donc moi, j'ai un verger que j'ai fauché au départ. J'avais pas de. Si vous avez des poules, c'est foutu, elles vont tout bouffer l'herbe. C'est le but. Pour avoir des œufs de qualité, il faut que les poules bouffent de l'herbe par rapport aux poules pseudo-bio ou aux poules commerciales. Parce que l'herbe contient des oméga 3, etc. Donc vous allez voir la différence de vos œufs et de ceux que vous achetez très rapidement. Et puis si vous en donnez, vous verrez que les gens vont vous en rechercher. Mais donc les poules bouffent l'herbe, donc c'est un problème. Moi, pour moi, je vois. Donc j'étais dans les bois chercher des feuilles, etc. Bon, moi j'ai pas de chevaux, il n'y a rien, donc c'est quand même compliqué. Donc il faut éventuellement acheter du foin. Le problème du foin qu'on va acheter, c'est qu'il y aura des graines dedans, et ça c'est pas bon. Donc moi cette année, j'ai pas eu de poules parce que j'ai pas fini mes barrières, j'ai un problème avec mon voisin. Donc je fauche le foin tant qu'il commence à faire des graines, mais tant que les graines sont pas mûres. C'est-à-dire au maximum de sa production, et je fais plusieurs fauches. J'ai déjà fauché pas mal de fois et à chaque fois je fais sécher rapidement le foin, c'est pas la peine de faire sécher beaucoup, et je couvre au maximum mes plates-bandes afin de protéger le sol. Là, c'est connu, le paillage, donc, paillage avec du foin, c'est le meilleur, paraît-il. Moi j'ai eu de très bons résultats avec les courgettes, etc. On plante son plant de courgette, après on s'en occupe plus, ça pousse, enfin on s'en occupe plus, il faut arroser.
Alors, deuxième principe, donc ça, c'est ça. Ensuite, donc ça, paillage, les bandes, pour ne pas marcher dessus, des bandes bien délimitées, paillage au maximum, on ne peut pas tout pailler. Alors, des fois, je ramasse des mauvaises herbes. Alors, les mauvaises herbes, c'est un peu compliqué. Il y en a qu'il faut absolument enlever, ce sont les herbes. C'est-à-dire, les herbes foutent la merde très rapidement. Puis, il y en a d'autres qu'on peut laisser un peu pousser. Et ça fera un peu de... Ça aidera, quand on va les arracher, à couvrir le sol. Alors, il faut les connaître. Moi, je ne les connais pas, les noms, bien. Mais je sais, je connais toutes les herbes qui poussent. Etc. Les espèces de trucs qui ressemblent à de la roche. Là, je ne me souviens plus comment ça s'appelle en français. Etc. etc. Il y en a qui sont plus durs à enlever, donc je vais les enlever plus tôt. Genre, les pissenlits, je ne vais pas laisser grandir trop haut. Et il faut pas que ça gêne les plantes, hein, les autres qui poussent. Mais il y a plein de mauvaises herbes entre les bandes qu'on peut, quand les plantes sont pas formées, il vaut mieux les laisser pousser. Elles vont rien prendre du tout. Et après, on s'en sert et on les arrache pour faire pour couvrir le sol. Par exemple, le pourpier sauvage. Moi, je fais du pourpier domestique, mais le pourpier sauvage couvre bien le sol quand il fait chaud. Et ça, c'est pas mal. Faut le laisser. Puis à un moment, on l'arrache quand il gêne. Et il va sécher. C'est bien. Ça fait du carbone. Et ça fait de la couverture. Donc, faut pas être un malade des mauvaises herbes. Faut juste réfléchir qu'elles ne gênent pas le truc, mais que c'est normal qu'il y ait de mauvaises herbes. Ça fait partie du cycle de couverture des sols, et il faut juste réfléchir. Donc, quand on n'a pas assez de paille, c'est pas forcément affreux d'avoir des mauvaises herbes. Maintenant, faut que ça ne gêne pas la productivité. Donc, c'est une question d'expérience. Donc je ne bêche pas, etc. J'enlève juste un peu les mauvaises herbes. Il n'y a pas de bêchage. Et ça marche très bien. Alors, j'espère que vous le verrez sur les photos, que ça marche bien. Voilà le principe de base. Donc, paillage, pas de bêchage ni rien, juste enlever les mauvaises herbes de temps en temps. Pas de cerclage, je veux dire. Parfois, bon, un très léger cerclage, quand vraiment on a besoin d'éclaircir, mais c'est vraiment très très léger. Donc, pas, voilà. Ensuite, ce que j'ai fait pour avoir une bonne production, c'est bon, arrosage. Donc, moi j'ai un puits qui a été fait parce qu'ici il y avait des gens qui. Moi j'ai un sas, c'est sans valeur. J'ai un énorme puits avec une putain de piscine en dessous qu'ils ont construit à l'époque, il y a un siècle et demi, parce qu'ici il y avait des gens qui cultivaient. Et donc, ça, malheureusement, tout le monde ne l'a pas. Donc, moi je pense qu'il faut quand même faire un potager. Je ne sais pas comment faire sans eau. Donc, moi j'ai aucune expérience là-dessus, donc je ne donnerai que ce conseil. J'ai toujours eu de l'eau. Et je pense que malheureusement, c'est possible que ce soit quand même un truc fondamental. Donc, pensez déjà à avoir de l'eau. Faire une mare, etc. assez profonde. Ou alors récupérer l'eau des gouttières, comme vous pouvez. Je n'ai aucune expérience pour faire moi-même un puits. Mais je pense le faire parce qu'il devient tellement sec que je pense que si j'étends encore mes cultures, j'aurais besoin d'en faire. Donc, je n'ai pas d'expérience pour le moment. Voilà. Donc voilà, j'ai un grand puits, et de ce puits, je peux tenir même quand il a fait très sec. Donc cette année, j'ai cultivé plus, donc je ne sais pas si je serais tenu avec une sécheresse telle que l'année dernière, mais je pense que oui, limite quoi. Donc c'est bon. Et je pense que ces sécheresses vont devenir de plus en plus courantes tous les 5 ans, 6 ans. Donc il faut bien prévoir son eau. Et bon, il y en a qui disent qu'on peut arroser sans eau, qu'on peut faire de la culture avec peu d'eau, etc. Il y en a qui sélectionnent pour ça, je ne sais plus qui poutent, etc. Bon, à voir, moi j'en sais rien. Moi ce que je sais, c'est que quand on arrose, on produit plus. Ça, je l'ai constaté. Les plantes, elles manquent d'eau, on voit bien qu'elles commencent à faner, etc. quoi. Donc je pense que si on veut vraiment avoir une grosse production, c'est sur peu de terrain, ce qui est souvent le cas des gens qui n'ont pas terrain immense ou la possibilité. De toute façon, plus on a un grand terrain, plus ça devient compliqué aussi. Donc je pense qu'il faut de l'eau en quantité raisonnable. Je sais pas combien de mètres cubes ça peut faire, mais moi je remplis à peu près, j'ai un lavoir, je remplis tous les jours quasiment pour aller arroser. Donc ce que je fais, c'est que je prends l'eau du puits avec des seaux, donc moi à l'ancienne. Donc il y a une période difficile où je travaille beaucoup, c'est l'été, mois de juillet, fin juillet, à partir de la mi-juillet jusqu'au début août, c'est tous les jours, faut arroser, sauf quand il y a une pluie, mais c'est rare, et c'est dur. Et moi je tire, donc je sais pas combien ça peut faire de seaux, mais une bonne vingtaine, facile, et tous les jours, et je les mets dans un lavoir où ça chauffe au soleil, parti côté sud. Donc c'est aussi utiliser les microclimats. J'ai des murs, je vais planter les tomates, que je veux qu'ils produisent bien, ou les melons, j'ai un melon, un pied de melon, des courges, etc., plein sud. J'utilise le mur, j'ai un mur en plein sud, j'ai un autre mur aussi, côté sud, un petit mur de machin, je planterai
Devant, je plante tout ce qui est paprika, enfin poivron, etc. C'est évidemment, faut utiliser ce qui est au sud, etc. Pour les plantes chaudes, etc. Enfin, ça, voilà. Donc l'eau, important, avoir une bonne réserve d'eau. Et j'arrose, donc je mets dans mon lavoir, je fais chauffer l'eau dans la journée afin qu'il n'y ait pas un choc thermique. Et puis j'arrose à fin de 7h, 8h, fin de journée, j'arrose copieusement ce que je peux, au maximum, quoi, pour que ça pousse. Pas arroser trop, mais il faut arroser. Enfin, ça se voit, c'est une question d'expérience. On voit que certaines plantes, le sol absorbe bien, que les plantes comment, si montrent dans la journée des signes de fatigue, il faut les arroser. Et puis les semis, c'est important, il faut toujours maintenir le sol humide, sinon ça germe pas. Et on perd tout. Donc il faut faire attentif. Et puis il y a certaines plantes qui produisent des fruits trop durs ou des radis, il faut bien les arroser si on veut avoir des radis. C'est un peu le luxe les radis, il faut bien les arroser, sinon bah, ça fait des trucs dégueulasses, quoi. Voilà. Donc de l'eau. Et alors il y en a qui me disent, ouais, il faudrait une pompe. Alors moi je suis pas contre les pompes, moi j'ai pas de pompe électrique, je suis vraiment dans l'optique. De me débrouiller tout seul, donc voir comment faire sans qu'on n'aura pas une centrale nucléaire à côté quand elle aura sauté. Et donc moi je fais tout à la main. Je tire l'eau à la main. Mais je suis pas contre une pompe à main. Il faut l'installer. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Moi j'y vais. J'ai vraiment un truc vraiment primitif à mort. Maintenant je voudrais installer des poulies, etc. Mais tout ça prend du temps. Et puis avoir une petite brouette sur laquelle je mettrais un tank ou plusieurs seaux. Pour accélérer le truc. Et je suis pas contre une certaine comment dire, efficacité raisonnable. Mais tout ça demande du temps. Et pour l'instant, bon bah je m'en sors comme ça pendant 3 semaines. C'est intensif. Donc les arrosages, bon, tout le monde connaît le principe. On arrose soit à la poire pour les semis, soit au pied des plantes, etc. Et puis, bah, il faut pas mouiller les feuilles. Surtout ici en Aveyron, c'est très chaud. Donc, ça pourrit après, il y a plein de maladies qui apparaissent. Donc bien, bien arroser au pied. Si on a un paillage, on arrose moins, c'est l'avantage. Donc pailler les tomates, pailler les courgettes qui demandent beaucoup d'eau. Et ensuite, il y a tout un système de tuteurs, etc. Les tuteurs, je les fais tous moi-même. Voilà. Donc, avoir les outils pour. J'ai des noisetiers que je laisse pousser, je ramasse les branches, et puis là, j'étais en forêt pour des bois. C'était enfin, des tuteurs, des grands. En forêt, les noisetiers poussent plus droit et plus long. Donc, on peut faire de longues perches pour les tomates, etc. Voilà. Donc, c'est dur, faut les porter à la main, tout ça, c'est compliqué. Donc, voilà. Donc, j'arrose. Mais moi, je suis en plutôt ce que j'appellerais bio-intensif, c'est-à-dire que mon but, c'est pas de laisser la nature faire, c'est d'accélérer grâce à mon travail ce que la nature peut faire, c'est-à-dire devenir une partie active de l'écosystème. Et donc j'arrose, je bichonne mes plantes et j'utilise différents purins. J'ai un sureau que j'ai taillé, que j'ai tété parce que je devais faire des murs, etc. Donc il fallait virer les souches. J'en ai gardé une partie, je l'ai tété, il fait beaucoup de rejets. J'utilise ça pour faire purin de sureau qui, je pense, a l'air d'être un insecticide assez efficace. Bon, ça me permet sur les poireaux qui sont attaqués par les mouches, etc. Je ne vais pas raconter toutes les maladies, c'est un peu la catastrophe. Mais ça permet de limiter les dégâts, donc ça a l'air assez intéressant. Donc je vais juste mettre les feuilles, mettre une bonne quantité, bien tasser. Je crois qu'il faut que ça pèse un petit peu quand même. Dans le chaudron, et puis je mets de l'eau, puis je laisse pourrir une semaine ou deux, ça pue, bah c'est bon, c'est prêt à l'emploi. Et arroser, le filtrer, arroser avec la poire sur des semis, ou comme sur les semis de choux qui sont attaqués par l'altise. Bon, je n'ai pas détaillé toutes les maladies. Ouais, c'est bon, c'est un autre, je vais en parler bientôt là, mais c'est quelque chose d'important en bio. Voilà, donc j'arrose avec des purins. Donc il y a des purins curatifs un peu, mais en même temps qui apportent de l'azote, comme le purin de sureau. Moi j'utilise purin d'ortie qui est connu, donc qui renforce l'immunité des. Enfin, qui renforce les plantes. Je ne sais pas exactement quel est le principe, mais je pense que l'ortie, c'est une plante ultra solide qui tire beaucoup de choses du sol, donc non seulement de l'azote, mais plein d'autres choses. Et des plantes maraîchères ne produisent pas, elles sont pas faites pour ça, elles sont faites pour pousser vite et donner des gros fruits, et donc elles ont besoin d'éléments, de substances qu'elles ne produisent pas elles-mêmes, et donc on leur apporte grâce au purin d'ortie notamment. Et bon, j'ai constaté que j'ai un bon rendement avec ça et que j'ai des plantes solides. Par exemple, mes tomates, je ne les ai jamais sulfatées, tous mes voisins sulfatent à mort, j'ai aucune maladie. Les patates, pareil,
Nickel. Donc, tout ça, il faut, c'est du doigté, c'est l'expérience. Bon, moi, je suis pas génial, mais j'ai pas eu de maladie, ni en Suède, ni ici. Le mildiou en Suède, j'en ai eu un peu. J'ai traité avec le purin d'ortie. Donc, je ne mets pas sur les feuilles, mais je donne aux plantes quand je vois qu'il y a des signes. Enfin, je le fais assez régulièrement et elles sont solides. Il n'y a pas de problème. Ensuite, il faut, si on a le mildiou sur les patates, il faut arracher les feuilles qui sont abîmées assez rapidement. Ça évite la propagation. Il faut éclaircir un peu et ça passe. En général, ça passe. Voilà. Et puis, il faut pas. Voilà. Mais il y a plusieurs principes. Il ne faut pas non plus planter trop serré. Il faut réfléchir à tout ça parce que les maladies cryptogamiques, les champignons, c'est les spores. En général, ils vont les uns sur les autres. Si les feuilles sont trop proches, ça va tomber sur d'autres feuilles et ça va pourrir tout. Donc il faut laisser que l'air puisse les emporter ailleurs, quoi. Par exemple pour les tomates, il faut retirer certaines feuilles, pas retirer les feuilles du bas. Donc tout ça c'est du doigté, c'est beaucoup d'entretien, c'est beaucoup d'observation. Et ça permet de ne pas traiter et de ne pas avoir de maladie. Moi je n'ai pas de maladie, je n'ai pas eu de maladie sur les tomates les autres années, je n'ai pas eu de maladie sur les patates. Parce que j'enlève les feuilles quand je vois des signes de faiblesse, parce que j'enlève les feuilles pour pas qu'elles s'entrecroisent sur les tomates, ce soit pas le bordel, pour que il faut les enlever quand il fait beau, pour que ça sèche vite, pour que les plaies cicatrisent rapidement, et ainsi de suite. Et pour que les champignons ne s'installent pas dedans et foutent la merde. Donc comme ça, on n'a pas trop de problèmes. Si on est là, on n'a pas besoin de traiter. Voilà, sur les courges, on a des maladies quand on commence à faire froid. Même là, j'ai commencé déjà à avoir des maladies sur une grosse courge qui a commencé à produire. Et en général, on a comment ça s'appelle de l'oïdium, ça fait des taches blanches ici. Et je traite avec du lait. Ça a l'air de marcher plus ou moins bien. Ça, en tout cas, ça n'accélère pas. On voit que vous pouvez lire ça sur le net, etc. Les protéines du lait, en fait, stoppent l'oïdium. Il y a d'autres méthodes plus efficaces, des racines, etc. Mais c'est très compliqué là, pour mettre un peu de lait dans l'eau et asperger avec un pulvérisateur au soleil. Et en général, ça ralentit bien. Après, bon, quand il fait froid, elle crève, c'est normal. Donc voilà. Donc un autre principe, c'est de mélanger, c'est l'autre principe de base du bio ou de la permaculture ou de ce qu'on voudra, c'est de mélanger les espèces. Donc j'ai le livre de Terre Vivante, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Ben attendez, je vais le chercher, j'arrive. Ouais, voilà, j'ai ce bouquin là, j'espère qu'on voit quelque chose. Je sais pas, il y a la bougie, ouais, guide du jardin bio. Donc dedans il y a une table. Alors je sais pas si elle vaut ce qu'elle vaut, je vais essayer d'en consulter plusieurs. Il y a une table. Je sais plus où c'est, à chaque fois je la cherche. Où il y a toutes les compatibilités. Donc j'utilise cette table qui est bien faite. Voilà. Vous avez une table. Donc c'est avec les différents légumes, compatibilité, avec des cases cochées, etc. Et bon, c'est le guide du jardin bio de Jean-Paul Thorez et de Brigitte Lapouche des gens. Alors c'est pas mal, il y a d'autres bouquins, hein, mais celui-là, moi je l'utilisais régulièrement, je l'ai montré même en Suède à des gens qui cultivaient de façon pro et ils trouvaient ça intéressant. Donc c'est un bon bouquin. Voilà, moi c'est un peu ma Bible, j'utilise ça voilà, comme ça. C'est pas du tout en permaculture, hein, mais c'est tout sur toutes les plantes, tout ça. Bon, il y en a d'autres, hein, je lis beaucoup de bouquins, etc. Bon, je suis renseigné, tout. Et puis, il faut avoir un regard critique, essayer, voir que ça marche pour soi. Mais en gros, j'essaie de suivre des idées de compatibilité, différentes plantes pour, c'est connu que carottes, poireaux, etc. Combiner, etc. Sauge chou, j'ai une grosse sauge, j'ai planté des choux, mais faire les rotations quand même, etc. Il y a des rotations à appliquer, etc. En bio, enfin, vous lirez ça dans les bouquins, c'est connu. Rotation chou, il faut pas planter les crucifères au même endroit, l'année sur l'autre, ni les patates, etc. Donc faire des rotations et surtout combiner les plants. Donc systématiquement complexifier nos plants, les plants là-dedans. Par exemple, moi je fais tomates, haricots grimpants. Qui vont grimper sur un prunier que j'ai, les tomates, et je vais mettre les poireaux au pied des tomates aussi, et quelques pieds de céleri, etc. Je combine pas mal de trucs, et ça pousse très très bien. Ça pousse très très bien. Voilà.
Haricots grimpants dans les courges aussi, donc avec un certain timing pour qu'ils aient le temps de s'élancer, et après les courges vont tout couvrir, mais eux ils sont déjà en l'air, et boum, et ça produit des haricots, etc. Bon, ça enrichit ça en même temps. Donc je fais des mélanges de plantes, c'est assez compliqué, mais pas quand même compliqué. Plus souvent je fais quand même des bandes qui sont juxtaposées, c'est quand même plus simple. Et voilà, et un peu de paillage entre si j'ai de la paille, etc. Et comme ça, ben voilà, donc on évite pas mal de maladies parce que les insectes, ça trompe certains insectes qui cherchent les choux, par exemple, si c'est à côté de la sauge, ils auront du mal à trouver. J'ai vu quand même qu'il y avait beaucoup moins de périls du chou cette année que j'ai fait ça. Sinon, il faut aller chasser les périls et les écraser. Ensuite, il faut connaître les maladies. Donc, j'ai parlé des maladies cryptogamiques, mais il y a aussi tous les parasites. Alors, pour les salades, vous allez voir, il y en a deux. C'est les fils de fer qui vont vous dégommer des salades les uns après les autres. Donc, il faut faire la chasse. Les fils de fer, la première chasse qu'il faut faire, c'est quand on retourne le terrain. La première fois, il faut les virer. Et ensuite, à chaque fois qu'on a une salade qui crève, il faut les chercher et les écraser. Au bout d'un moment, il y en a moins, parce que c'est quand même lié plus ou moins à la présence d'herbes. Donc, on en a moins. L'autre que j'ai remarqué cette année, c'est une espèce de grosse chenille. Alors, je crois que c'est un espèce de noctuelle ou je sais pas quoi. Et donc, elle devient très grosse, elle bouffe aussi la racine. Et il faut les tuer. Mais bon, ça, c'est quand même. Il y en a quelques-unes, mais il y a quelques salades qui tout d'un coup sèchent. Mais globalement, bon, là, ça va. Je produis pas mal de salades, toutes mes salades, j'en ai même trop. Enfin, c'est vraiment. J'en donne et puis c'est tout. On ne peut pas tout bouffer, mais ça sert de toute façon là, ça sert aussi, il faut couvrir le sol en permanence. Donc on a toujours du surplus et c'est pas grave. Ça fait du terreau. Si on a des bêtes, on les donne aux lapins. J'aurai des lapins, ils vont tout bouffer. Ensuite, il y a les parasites des choux. Ça, c'est assez compliqué. Il y a des punaises de choux qui vont vous faire vous abîmer les feuilles. Donc il faut les repérer assez tôt, les tuer, les écraser ou les mettre dans l'eau. Et donc les repérer sont jaunes au début et rouges ensuite. Il y a les altises, ce sont les puces de sol. Vous verrez, dès que vous allez planter, qu'il va faire chaud des crucifères, soit des radis, etc., vous faire plein de trous dans les feuilles. Donc il faut arroser sur les feuilles ou alors arroser avec du purin de sureau pour les faire dégager un peu. Mais bon, il ne faut pas rêver. Dès qu'il fait chaud, vous aurez des trous dans les feuilles. Et, bon, ça réduit la productivité, c'est comme ça. Mais surtout, évitez les punaises. Ça, les punaises. Elles vont vous embîmer vraiment les choux et elles peuvent se reproduire très vite et devenir une infection. L'autre truc qu'il y a aussi, c'est la péride, c'est le papillon blanc qui va vous pondre. Moi, c'est tout ce que j'ai eu, hein, mais il y a la péride. Après, il paraît qu'il y a une mouche. Si j'ai vu des mouches qui faisaient des trous, mais j'ai jamais eu une infection très grande, donc je ne prends pas trop de mesures. Maintenant, il paraît qu'il y en a qui mettent des bouts de carton, etc. Donc, ça fonctionne ce que vous avez chez vous. Faut observer. Faut observer. Et moi, j'ai remarqué que des paysans ou des agriculteurs qui utilisent des produits chimiques ne connaissent même plus les parasites. Ils savent pas. Ils voient la punaise du chou. Ah oui, ben si, c'est ça qui fait que la feuille ressemble à une merde après. Donc, il faut les virer. Mais si vous observez, vous n'aurez pas besoin de traitement. Moi, je n'en ai pas besoin. Ça pousse très bien. Donc, mais c'est du travail. Il faut avoir l'œil. Et dès qu'on voit qu'il y a des périls qui volent, faut observer. Il faut avoir l'œil. Et l'avantage d'arroser avec un arrosoir et pas avec des trucs automatiques, c'est qu'on va de plante en plante, on la regarde, et tiens, ah, il y a des œufs là de péride. Donc c'est elles pondent sous les feuilles, ça fait des amas de jaunes. Parfois il n'y en a pas beaucoup, ça suffit pour dégommer un petit plant. Et après ça fait ces chenilles vertes, très difficiles à détecter au départ, puis après qu'ils grossissent et qu'ils font beaucoup de dégâts. Donc si on les repère au départ, on n'a pas de problème. Et après quand la saison se refroidit un peu, les prédateurs diminuent, et par exemple pour les choux, c'est là qu'ils explosent et deviennent. Qui commence à produire beaucoup, c'est plus facile. En été, c'est quand même un peu plus dur d'avoir des beaux choux. Donc voilà, donc moi j'ai fait ça pendant un an. Là récemment, bon, j'avais fait avant, comme je dis, en Suède, donc c'est pour ça que je commence à avoir un tout petit peu d'expérience et j'espère en acquérir plus avec le. Mais ce que je constate, c'est que j'ai eu pendant. Ça fait donc, je suis arrivé au mois de juin l'année dernière, j'ai eu en continu des légumes jusqu'à cette année. Bon, on a eu un hiver assez doux, hein, mais mes betteraves n'ont pas gelé, rien n'a gelé. Mes choux raves, tout ça, j'ai tout eu. Rutabaga, j'avais fait tout, on a tout bouffé là. Ça a été continu la production jusqu'à aujourd'hui. J'ai jamais eu à acheter de légumes à part des carottes parce que je n'avais pas fait assez et des patates parce que j'étais arrivé trop tard l'année dernière. Et cette année, j'avais patates, etc. Donc la production continue, ça produit en continu
Et ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai retourné la première année, la deuxième année, je ne retourne pas. Donc j'ai une bande, c'est tout un pour 150 mètres carrés que j'ai pas retourné cette année. Et ça, il y a la même rendement. Donc c'est vrai, cette histoire de la permaculture, je l'avais fait en Suède déjà, il ne faut pas retourner. Ce que je fais, c'est que je mets, cette année, j'avais les bancs qui étaient prêts. Donc le fait de cultiver en permanence de façon assez intensive et de couvrir systématiquement avec des plantes, que ce soit même à la fin des engrais verts, moi j'ai pas de place pour les engrais verts. Donc tout est cultivé en permanence et voilà. Et je recouvre parfois avec certaines fans qui ne donnent pas trop de maladies, genre haricots, je vais recouvrir le sol, etc. Donc tout est couvert de culture. Et ça fait que du coup, bah, les mauvaises herbes ne poussent pas et il n'y a pas besoin de retourner la terre. Et le sol est meuble du fait qu'il y a toujours des cultures et je ne prends pas les racines, je coupe au ras et les tues, etc. Il faut pas arracher. Donc ça fait que le sol est en permanence meuble. Et donc, par exemple, si j'ai cultivé des blettes, je vais laisser la racine. Alors ça refait quelques feuilles, puis ça crève, et puis après ça pourrit. Les feuilles au printemps, on peut les bouffer. De la deuxième coupe, ça fait comme des épinards. Et après, ça pourrit dans le sol et ça reste meuble. Pareil pour les épinards, j'ai laissé les racines. Et je sème parfois il faut enlever un petit peu, mais la plupart du temps ça convient, ou je plante entre les racines, il n'y a aucun problème. Et je ne retourne pas le sol. La deuxième année, je l'aère un tout petit peu avec une bêche classique, pas besoin d'avoir ce truc, grelinette ou je sais pas quoi. On prend une bêche, on agite un peu, on plante, on secoue un peu la bêche et c'est tout, on ne va pas retourner la terre. Et souvent, on s'aperçoit que c'est tellement meuble qu'il n'y a même pas besoin de le faire. Bon, je le fais par sécurité tout le long de la bande, mais le plus souvent, c'est tellement meuble du fait qu'on a cultivé et eu des racines tout le temps et qu'on n'a pas laissé ce qu'on appelle la pluie, etc., tasser le sol, qu'il n'y a plus besoin de rien faire. C'est un sol vivant et ça marche vraiment. Cette année, j'ai pas eu besoin de retourner et j'ai la même production, voire plus, sur ce truc-là, c'est impeccable. Et ce que je mets, par contre, c'est que j'ajoute les terreaux. J'ai un terreau très décomposé que j'obtiens de mon cousin, terreau de fumée de brebis, qui est noir, décomposé, quoi, vraiment pas du terreau neuf. Et j'en mets tout le temps. C'est-à-dire que je ne fais pas comme les types qui vont en mettre en hiver et puis qui vont attendre que. Non, non, j'en mets en permanence, je couvre, en fonction de la culture, je vais faire sur une bande, sur telle ligne, je vais mettre parce que je sais que je vais cultiver. Alors, si c'est des haricots, je vais pas en mettre. Si c'est des choux, etc., je vais en mettre. Et avec une sarclette, je mélange un tout petit peu en surface avec la terre, mais je n'enfouille pas. Et je mets un peu de cendre, parce que j'ai de la cendre, donc je mets quelques pelletées de cendre, systématiquement aussi, mais pas beaucoup. Et voilà, et comme ça, pas besoin de retourner la terre, et on laisse, on prépare la bande, et on sème, etc., et on continue, et c'est un cycle, et c'est continu, c'est-à-dire que je n'arrête jamais de planter, et j'arrive à toujours avoir des légumes. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a différents types de sélections. Les légumes font que je pense qu'on peut manger du vert toute l'année. Moi, on n'a pas acheté de congélateur. Ma compagne pousse quand même pour en avoir un. Moi, j'essaie de faire des conserves. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, on mange frais, quoi. Pour moi, il n'y a pas besoin. Sur le long terme, il n'y a pas besoin de consommer de congélateur. Peut-être au début, parce qu'on ne sait pas faire. Hein, et autrefois, ils n'en avaient pas. Et il y a plein de cultures qui font qu'en fait, on peut manger frais toute l'année. Et moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu de rupture. Si on fait des choux, pour les choux, dès le début du printemps, on a les choux-fleurs, etc. Si on débrouille bien, moi j'ai pas eu de choux-fleurs cette année, mais j'ai eu des choux paumés très rapidement, les épinards l'hiver, les blettes qui, si elles meurent pas au printemps et même en hiver, etc., etc. Et l'hiver, si on a un hiver rude, on stocke des légumes en silo, on fait un excès de betteraves. Cette année, j'ai fait beaucoup de betteraves. Si l'hiver est rude, on stocke. On bouffera des betteraves, tant pis, c'est très bon. Les betteraves et une betterave, on peut faire chou-raf, fenouil, des trucs qui se conservent, quoi. Chou-raf, c'est très utile. En Suède, ils mangent beaucoup de chou-raf, pardon, de rutabaga, le rutabaga, du navet, etc. Des choses qui se conservent en silo. Et on a des légumes pour l'hiver, même s'il fait un froid de moins 17, on n'aura pas de bêtes, tant pis, bon, on mangera des betteraves à la place, c'est la même famille. Voilà. Des choses qu'on serve, etc. Et il y a des salades d'hiver. Faut connaître un peu tout ça. Ça a été sélectionné. Il y a des salades qui résistent au gel. Donc, on peut les consommer. Moi, j'ai eu des salades tout l'hiver cette année. Pas de mâche, hein, de la salade classique. Ça a marché très bien. Et au printemps, etc. Tout impeccable. Et chicorée, etc. Donc, faut connaître toutes ces choses-là. Ça s'apprend. Et on a de la salade tout l'hiver sans problème. Et aussi fait moins, etc. Il y en a qui résistent, et puis il y a la mâche, de toute façon, qui résiste tout le temps. Il faut
faudra en prévoir une bonne partie. Et il y a des radis d'hiver qui résistent aux très très froides, sur Daikon, aucun problème, j'en ai eu tout l'hiver. Donc on peut avoir, même sans congélateur, de quoi bouffer tout le monde. Donc voilà, donc ça marche, ça, pour moi. C'est évidemment, c'est toujours facile, mais globalement, ça marche plutôt bien, j'ai du surplus même. Et voilà. Donc c'est faisable, c'est dur, faut bosser, mais c'est agréable, et puis ça maintient l'esprit éveillé, etc. Donc c'est bien. Donc voilà. Alors maintenant, je vais parler. Je vais pas avoir le temps dans cette vidéo, parce que c'est déjà très long de parler du projet global, mais je vais parler un peu des difficultés qu'on rencontre. Alors, moi j'ai eu comme difficulté que dès qu'on stocke de la nourriture, on a des rats. Et c'est une véritable saloperie. Donc ça a été quelque chose de très dur. Moi j'ai une vieille maison, c'est pas dans les maisons neuves. Donc ici il y a des trous partout, donc les rats rentrent et font des nids partout. Donc ce qu'il faut c'est les chasser, c'est combler les trucs au maximum et c'est un travail de titan. Et donc moi j'ai eu des chats. Donc ça semble avoir maintenu une pression, j'ai piégé, j'en ai tué avec des bâtons, j'ai tapé dessus, enfin c'est assez cruel, mais c'est la vie. Parce que quand on a un nid de rats avec plein plein partout, ben, on est obligé de se défendre. C'est assez dégueulasse, mais c'est comme ça. Et puis bon, ben, on apprend, c'est la nature. Donc on n'est pas assez difficile, on apprend des choses. On apprend que notre place, quand on n'a pas du poison et de la chimie, et des parpaings et des machins, ben, il faut apprendre à se défendre comme les anciens. Et on apprend un peu la vie à la dure. Et il faut s'endurcir, c'est tout. Et donc moi j'ai pris des chats, j'en ai deux maintenant. Et donc ça les maintient un peu à distance, mais il faut surtout renforcer tous les endroits où on stocke de la nourriture. Donc là j'ai une boîte que les anciens avaient fait en chêne. Malheureusement les rats sont très puissants, ils ont réussi à creuser à la jointure et à se reproduire de façon impressionnante quand on était parti pendant 2 mois en Bretagne. L'hiver on est parti 2 mois quand même. Et un mois et demi quoi. Et donc là, ça a été un peu catastrophique quand on est revenu. Ça a été dur pour le moral parce que c'était envahi de rats, quoi. Et donc j'ai dû les éliminer. Ça a été long, dur, difficile et dégueulasse, quoi. D'avoir des rats dans la cuisine, c'est dégueulasse. La merde partout, tout ça, c'est immonde. Donc il faut tout nettoyer, tout vinaigre partout, etc. Et les tuer. Et un travail de titan parce qu'ils sont vraiment malins. Il y a toujours la mère qui reste, enfin les vieilles qui sont vraiment malines. Mais bon, finalement, on a eu la peau. Il n'y en a plus. Et on ne peut plus en avoir. Et donc il faut j'ai blindé la caisse où je mets le silo où je mets c'est une caisse, grosse caisse en bois où je mets les grains. Et je l'ai blindé avec du grillage partout et des coins, des cornières en acier. Donc je pense que c'est nécessaire d'avoir un truc vraiment béton là-dessus. Donc autrefois, je sais pas, le fer était cher, donc ils avaient des chats, ils surveillaient, ils partaient pas en vacances pendant un mois à quitter une maison comme ça, comme nous on l'a fait, parce qu'il faisait très froid pour la petite, et j'ai pensé que c'était pas une bonne idée de rester parce que j'ai un bébé. Mais bon, autrefois ils partaient pas, mais ils avaient des chats et ils trouvaient forcément du bois très solide pour les cornières ou éventuellement du métal quand ils en avaient. Mais je suppose qu'à l'époque ça coûtait cher, il n'y avait pas des cornières. Moi j'ai récupéré des cornières qui servent pour les plâtriers, c'est pas cher, j'ai cloué ça direct sans faire de trous ou sans perceuse. Et maintenant c'est nickel, il y a peut-être une photo que je montrerai. Et donc là j'espère que j'aurai plus de rats du tout, même si je mets du grain. Donc là j'ai une livraison, j'espère que je serai tranquille, je pourrai avoir des poules, des lapins. Pour les lapins, c'est un appoint, mais bon, ça sert quand même. Pour les poules, c'est quand même, ça reste un truc que j'ai du mal à me passer. Donc, j'espère plus avoir de rats. Et pour les patates que je stocke, etc., j'espère que ça va être pareil. Donc là, j'ai une jarre que j'ai retrouvée qui était ici. Je vais mettre un grillage dessus, stocker les patates dedans. J'ai aussi une grande cuve, mais là, j'ai du travail. Donc, je pense bloquer toutes les ouvertures et ne plus avoir ce problème de rats. Et j'ai deux chats maintenant qui vont rester là. Alors le problème, c'est que les chats, du coup, je les ai laissés à l'intérieur. Et ce qu'on a eu comme problème après, c'est qu'on a eu des puces. Ça crée les moustiques, les puces, génial. Donc les chats, pourtant j'ai mis des colliers là au Marcousa, un truc bio, mais puissant quand même. Mais j'ai oublié de changer un collier un certain temps. J'ai vu qu'elle se grattait un peu. Et elle a eu un petit que j'ai voulu garder parce qu'on voulait en avoir deux pour faire poids contre les rats et en mettre à plusieurs endroits dans la maison. Pour éviter les invasions à nouveau. Et le petit, j'ai pas pu lui trouver de collier, tout ça, j'ai vu qu'il se grattait beaucoup, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Et après ça a été une infection dans la maison, ce qu'on appelle les puces de parquet partout, et là on est bouffé par ça.
Et donc, on espère qu'on va sortir, qu'on va s'en sortir. Donc, il faut pas laisser les chats là où dans l'espace de vie. Ça, c'est un truc important quand on est à la campagne, surtout en été, parce que c'est là où on peut avoir une invasion de puces et c'est vraiment très, 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 très désagréable. Donc, ne pas laisser les chats, on n'est pas à la ville, ici, on laisse pas les chats à la maison. Donc, moi, j'ai toujours vu les gens ne pas laisser les chats et je trouvais ça un peu chiant à la campagne. Mes tantes qui me disaient toujours, c'est dégueulasse, fous ça dehors. Et j'ai compris pourquoi. C'est vraiment dégueulasse. Donc les chats, ça sert au grenier, il faut nettoyer, bien vérifier les colliers. Moi je les shampoing, je les lave maintenant, fous à l'eau, allez hop. Et comme ça, il faut maintenir au maximum la charge de puces au minimum et ne pas les mettre là où on vit. Parce que si on risque d'avoir une invasion de puces dans un endroit chauffé en permanence, etc., c'est une catastrophe. Donc un grenier c'est sec, il fait froid l'hiver et ça permet d'avoir moins de. Mais pas à l'intérieur, pas dans une maison. Donc là, les animaux sont interdits. Donc voilà. Voilà. Donc je ne sais pas où on va aller. On va continuer. Là, cette année, j'ai des légumes en place pour l'année prochaine. J'espère pouvoir continuer. C'est dur. Je suis un peu seul. Mais bon. Moi, on bouffe. Et voilà. Et puis, il y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Il y a des bois à exploiter. Il y a beaucoup de travail. Et il me faudrait un peu de gens autour de moi parce que seul, si c'était une maison où devait habiter pas mal de monde. Donc je vais continuer dans une deuxième partie, parler du projet, de comment je vois les choses au bout d'un an, et essayer de faire un appel à nouveau pour que des gens motivés, peut-être on puisse faire quelque chose ensemble, et comment je vois, quels sont les critères nécessaires pour commencer quelque chose. Voilà. Et j'espère mettre quelques photos. Alors je sais pas si j'aurai le temps de celles que j'ai pour montrer un peu ce que je fais, où j'habite, etc. Et que ça puisse donner des idées ou que ça puisse. Peut-être que l'année prochaine à nouveau j'accueillerai du monde ici. Donc cette année je n'en ai pas accueilli beaucoup, mais j'ai pas beaucoup de temps. Et voilà, pour pouvoir échanger.